Good morning, Aleiden, les tutos aujourd'hui, le Lénishmat Amram, Yodam Ben Chana, Nissim Ben Ahuda, Sarah Bat Chana Rachel, et Baruch Ben Jamil Tarab, Akohen. Si vous souhaitez l'outil de Dieu, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Messiah Ahuda Zara, Perek He, Mishnah Yud. Yain Neser, Shenafal, Labor, Kulo, Asur, Ba'ana'a. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Imacher, Kulo, Lenochri, Chutz, Midme, Yain Neser, Shebo. Mishnah très courte, on connaît déjà le principe. On va rapidement faire quelques petits rappels, c'est l'occasion d'ailleurs. Tout d'abord, il y a deux sortes de Yain Neser. Il y a le Yain Neser, le vin sacré à la Avodah Zara, interdit par la Torah, lorsque le goy l'a clairement, même le juif, d'ailleurs, un juif ou un goy qui aurait sacré, offert du vin en offrande, en oblation, à la Avodah Zara, ce vin-là devient interdit par la Torah, interdit d'en tirer profit, il faut nécessairement le détruire. Midera Banan, Chachamim sont venus et ont fait un décret que tout vin qu'un goy touche est en contact direct, alors il va le rendre Yain Neser, on va soupçonner que le goy l'est éventuellement sacré à la Avodah Zara, donc on va le considérer comme si il est devenu interdit, interdit même d'en tirer profit. Dans notre Mishnah, ça fait déjà quelques Mishnah d'ailleurs, ou des fois comme ci, des fois comme ça, on va parler de Yain Neser en parlant du vin qui a été sacré à la Avodah Zara, pas ce qu'on appelle le Stam Yainam. Dans la Halakha, on distingue le Yain Neser Minatora, quoi, le vin sacré à la Avodah Zara, et ce qu'on appelle le Stam Yainam, du Yain Stam, simple, qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu avec lui, que Chachamim ont fait un décret sur ce vin. Alors la mission d'enseigne, Yain Neser chez Nafal Labor, du vin qui est tombé, du vin Yain Neser sacré à la Avodah Zara qui est tombé dans un, dans une cuve de vin. Il y avait là-bas où j'avais donc ma cuve de vin, où j'avais récolté tout le vin après l'avoir laissé fermenter, fait devenir du vin. Et c'est ce qu'on appelle le bord, la cuve, parce qu'on récolte tout le vin. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, il y a eu un tonneau, qui est, un tonneau de Yain Neser par exemple, qui est tombé par terre, qui s'est cassé et qui a coulé à l'intérieur de ma cuve. Dans un cas pareil, on avait appris dans la Mishnayot précédente que Yain Neser en sert Bema Sheou. Un tout petit peu, c'était plutôt dans la Mishnah Chet. Même un peu de vin qui tombe à partir d'un grand tonneau, qui tombe dans, dans une cuve de vin, même un petit peu au serre, interdit une grande quantité de vin. Donc de ce fait, la Mishnah enseigne justement Kulo Asur Be'ana. Il devient interdit d'en tirer profit de tout le mélange. Si j'avais 1000 litres avec 1 litre de Yain Neser qui est tombé dedans même, 1 pour 1000, en théorie, dans tous les sourires de la Torah, il devrait y avoir Bitoul, Bitoul Berov, Bitoul Bechishim, Min Bemino dans du Yain Neser. Ça se discute, est-ce que c'est un 6e ou un 60e en théorie. Eh ben non, la Mishnah m'enseigne non. Le vin Yain Neser qui se mélange lorsqu'il tombe à partir d'un kli qui a une grande ouverture, c'est un détail que j'ai découvert après coup en fait, c'est pas grave parce qu'on a exercice dessus. Donc du vin qui tombe à partir d'un ustensile qui a une grande ouverture, un tonneau par exemple, même une petite goutte interdit une grande quantité de vin, il faut nécessairement tout le détruire tel, selon Tanakama. Il n'y a pas de solution lorsque c'est du vrai vin de Avodah Zara. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel n'enseigne que non, il y a une solution. Littéralement d'abord, Imacher Kulo Lenochri, qu'il le vende entièrement à un goy, Chutz Midme Yain Neser Shebo, à l'exception de la valeur du Yain Neser qui est mélangé, du vin de Avodah Zara qui est mélangé dedans. D'abord, littéralement, on va prendre le cas où il y avait 1000 litres et 1000 litres de vin cachère, et il y a eu 1 litre de vin qui est tombé, qui s'est mélangé, 1 litre de vin de Yain Neser. Apparemment, on a ici Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit, écoute, il y a une solution. C'est vrai que tu n'as pas le droit de tirer profit du Yain Neser. Tu n'as pas le droit de tirer profit du vin qui a été sacré à la loi d'Ezra, mais tu as le droit de tirer profit du reste du vin qui ne s'est pas mélangé. Eh bien, il nous propose une solution simple. Tu n'as qu'à vendre au goy tout le vin kasher qui se trouve dans ce mélange, sans lui vendre le vin Yain Neser. Littéralement, soit tu prends les 1001 litres, tu vas lui vendre à, allez, 20 shekels le litre, donc tu vas lui vendre à 20 000 shekels, et pas à 20 000 vins. Tel que c'est écrit, c'est ce que ça voudrait dire. Seulement, il y a un problème dans ce pirouche, c'est que dans ce cas-là, vous imaginez bien que n'importe quelle personne, il est intéressé, s'il peut avoir une réduction, avoir un peu plus d'unités au même prix, il est intéressé. C'est-à-dire, lorsque je vais vendre au goy 1001 litres au prix de 1000 litres, le goy va être plus intéressé à acheter chez moi puisqu'il a gagné une bouteille supplémentaire de vin, ça lui fait un petit peu plus d'argent. Donc de ce fait, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer à la Mishnah, il faut nécessairement l'expliquer que je fais autrement, je procède autrement. Je lui vends les 1001 litres, je vais prendre du goy
20 000 vins shekels pour les 1 litre. Après, selon l'argent, dans l'argent qu'il va me donner, je vais prendre 20 shekels et je vais détruire les 20 shekels. Là, dans ce cas-là, je n'ai pas du tout tiré profit du Yain Neser, étant donné que le goy il a payé intégralement chaque litre, et 20 shekels, qui est la contrepartie du litre du Yain Neser, je suis parti, je l'ai détruit, donc j'avais le droit de tirer profit de 1000 litres que j'avais à moi qui avait mélangé. J'ai réussi, comme ça, à sauver le mélange interdit. Ça, c'est lorsque ça s'est passé avec du vrai Yain Neser qui était sacré pour la Avodah Zara. Maintenant, le Bartenora nous rapporte que lorsque c'est du Stam Yainam, donc du vin qui a juste été touché par un goy, qui a un statut de Yain Neser Mid Rabbanan, alors Chachamim sont d'accord avec Rabban Shimon Ben Gamliel qu'on aura aussi cette solution de vendre le vin, à l'exception donc de vendre le vin et après de récupérer 20 shekels et d'aller les détruire. Et on a fini officiellement la Mishnah. J'ai une petite information importante à vous dire pour le moment. Il y en aura d'autres pour le prochain jour, mais pour le moment, une information urgente, c'est qu'on a un spectateur qui s'est plaint de l'écho qui était un petit peu embêtant dans le micro. J'essaie de régler un petit peu différemment ma caméra en baissant. Désolé, je n'ai pas la possibilité de brancher un micro. J'ai essayé pour le moment de baisser au moins le volume du micro. Si vous trouvez que la qualité, elle est mieux ou elle est moins bonne, eh ben, faites-nous part sur le mail du 5 minutes, 5min.eternel@gmail.com. Et d'ailleurs, ça vaudrait le coup que tous ceux qui nous suivent de manière fixe, qui nous fascinent, on n'a pas les mails, on ne sait même pas exactement qui suit ces cours de manière assez suivie, étant donné qu'on a des informations importantes à vous faire passer pour les prochains jours, à savoir sur la suite du programme, lorsqu'on finira le Seder des Ekines. On aura l'occasion d'en reparler, Bezrat Hashem, le jour du Sioum, après-demain, lorsqu'on finira Bezrat Hashem Avodah Zara. Pour le moment, on a encore Maseret Avot et Maseret Horayot. Notre question sera sur la suite, on a envie de continuer Seder Kochim, j'aurais bien voulu sonder un petit peu les spectateurs fixes, leur demander leur avis. On en reparlera Bezrat Hashem aussi. Pour le moment, faites deux choses, donc, si vous voulez bien. Faites-nous signe d'abord, même celui qui n'a rien à dire, qui nous envoie un petit mail en nous disant coucou à 5min.eternel@gmail.com. Je crois, ouais, vous rentrez sur le site du 5 minutes, vous verrez. Vous pouvez contacter nous de par là-bas, premièrement. Deuxièmement, pour la qualité du son, faites-nous savoir si vous préférez. Et troisièmement, on vous communiquera ensuite, on fera un petit tour d'horizon de voir ceux qui nous suivent de manière fixe sont intéressés à étudier le Seder Kochim ou ils préféraient faire le Seder Moed. On en reparlera Bezrat Hashem. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Salam.